D'accord. D'accord. Donc, salam alaikum. Donc, on veut créer la base de données gestion étudiant. Pour cela, il faut créer la classe database maintenant aide étudiant qui va hériter de SQL Open Helper. Ça, c'est la première chose à faire. Ajouter une classe. Va hériter de la classe OpenHelp. Et bien sûr, on doit modifier le constructeur et les méthodes en create et en upgrade. Mettons aussi un constructeur de cette forme. Le nom de la base donnée ici, on va mettre maintenant gestion étudiant version, on va par défaut 1 en début, on peut faire ça sous forme variable globale. D'accord. Création de la table. On va utiliser l'objet SQL Database, appelé X ici. Donc ça c'est le nom de la table, les colonnes code, le nom et la note. Et on exécute en utilisant l'objet SQL Database pour exec SQL. L'inverse ici en upgrade, c'est-à-dire s'il y a une mise à jour de la base, on fait juste la suppression des tables et la recréation. Faisant cela, on peut ajouter des méthodes ici de l'insertion, l'ajout plus spécifique, mais on ne va pas le faire ici, on va le faire donc dans l'interface graphique. New, on va mettre nouvelle activité, empty activité, on va l'appeler étudiant formulaire gérable activité gestion de des étudiants. Devenez la première qui va se démarrer. Est-ce que l'intent main launch a été affecté? Ok. Show graphic design resource layout. Mettons un linear layout ici.
pions. Near layout horizontal. On va mettre les composants. On va mettre la zone de saisie pour le code. Vous pouvez mettre un hint si vous voulez. La note. Puis les boutons. Avec lequel on va manipuler. Faites un exemple, bah, juste le bouton add ou bien ajout. Bouton modifier et un bouton recherche. On dit le recherche, on dit le modifier sur exécution. D'accord. Et un bouton afficher pour vérifier enfin les valeurs qu'on a. Et pour afficher, on peut utiliser. Disons, on va mettre un une liste view sample. Une liste, juste array list. Un réadapteur, on va essayer d'afficher toutes les valeurs. D'accord. Là, ça sera le bouton afficher. Il manque aussi le bouton supprimer. On a déjà fait, je pense, des exemples. Afficher. Réglons maintenant les ID. ID, donc avec lesquels on va travailler ici. On va l'appeler code étude. Zone de texte non étude. Troisième. Bien et quand même des styles les boutons on peut faire un style affecter tous les boutons P recherche étudiant et B affiche étudiant pour la liste view. List
issue. Créer un style global ou là un thème. Value ici, on va faire new. Value resource file. Il faut l'appeler style. Ok. Un ressource. Déclarer. De style, par exemple, je vais l'appeler mon style 1 et déclarons les propriétés. Par exemple, text color, on va mettre bleu, on va donner arrobas color ou bien juste on met en dièse 00 FF00. La taille du texte est intéressante. Le texte size, on va mettre maintenant 10 sp. Item. Gravité. Centre. D'accord. Et on va aller vers le design. Chaque bouton va vers style et affectant notre style. Et mon style, alors on va style slash mon style. White, je pense. Yes. De même donc pour recherche. Passons au code maintenant. Donc, pour pouvoir créer la première fois la table à base de données, on a besoin de cet objet. On va instancier. Le paramètre ici c'est le contexte, le paramètre del constructeur c'est le contexte de l'application. Get application context ou là tidion gère activité get application context. Comme ça il y a une variable globale ici. On aura besoin des boutons et des ondes de texte. Le texte view aussi le même affiché. Et une liste view. Alors tous les ID. Donc les ondes de texte, code d'étude. Les boutons.
l'équivalent de ces composants par ID. Can I find fichier étudiant? Les ondes de texte. Et là, liste view. Commencer le code de l'ajouter, on va dire modifier. Maintenant, on va prendre l'objet head database point get retable table database point execsql. Fonction de cette qui est execsql pour exécuter insert update delete si vous voulez. Qui est d'autres raw query d'autres genre résultat de select avec where. Qui est query aussi pour tourner le cas d'une requête select. Il y a une des méthodes qui sont préparées, insert, mais je peux dire juste execsql. Donc là, il me faut la requête. Je vais construire la requête. Parce que le code n'est pas automatisé ni
épargne 5,23 authentiquement. Et c'est un entier. On va revérifier. C'est un entier. Je ne sais pas les qui est entier, on ne voit pas les réels, on ne va pas ajouter simple code. Values. On concaténer avec donc le code. Concaténer avec virgule. Plus le nom. Donc là, il me faut un simple code. Passer donc la requête SQL. Donc là, tu as affiché juste un toast. Pour le toast, on va dire une méthode globale. À chaque fois que je veux afficher un message, je mets maintenant public void afficher message. Comme ça, je peux demander toast string message. Make text show context and activity display get application context virgule le message virgule le temps trust point short. Ok, là, je reviens vers l'ajout. Donc là ce sera plus facile, juste afficher un message comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire après? Donc avant de faire modifier, on doit bien maintenant on donner une recherche pour la personne qui existe ici, d'accord, un searchable code par exemple le code de 1 mm, on va modifier le nom ou la note, d'accord. Donc recherche puis modifier. Recherche c'est un affichage, d'accord. Donc je suis le recherche. On dit l'événement. D'accord. Pour faire une recherche, la requête est la suivante. C'est string SQL égale select. Donc on va le concaténer avec, je suppose donc bien sûr le code il est rempli, une durée de traquage pour vérifier le tester le wish key. Donc le code, la zone de texte, code étude point get text point to string, ça c'est la requête. Comment l'exécuter? Je suis le help database point get la table database point execsql, ça donnera pas résultat parce qu'il ne retourne rien. Query monkey, oui, mais on doit passer les noms de table, les champs, ainsi de suite. Je query, c'est un bon candidat parce que 4 dates faut la requête nichelle. Non, après 4 dates d'élevé au nul, faut la requête SQL des noms, virgule, les paramètres font bien au nul. Et monkey, faut les valeurs d'elle where, les valeurs d'elle, les quand le rendez fait where, les valeurs d'elle where. Pour faire ça, il va juste passer la requête. D'accord. Donc, je suppose que vous avez rempli le code. Donc, attention, là, add query, 4 lignes, un curseur. D'accord. Et pour parcourir le curseur, oui. While c'est. Bon. Next. Move to next. Et on peut affirmer qu'il y a un seul. Et d'abord tester est-ce que c'est contient des lignes.
les différents de 0, un problème de notre ADR, parce que lequel est égal à 0 et rien affiché. D'accord. Donc, comme je suis les ondes de texte, et code utile à ça, on a dit qu'on fait déjà, je suis le nom. Point set texte. Le texte est rendu, c.get. La colonne, j'ai comme dit là. Colonne name. Get column name, non. C'est get string. La colonne 2. La note aussi. Colonne 3. Voilà. Et enfin, je fais close. Pour la recherche. Pour modifier, toujours faut mettre la requête et modifier c'est update étudiant 7 le nom égale le nom Judith. Concaténer avec le nom étude.getText.string, concaténer avec apostrophe et virgule pour mettre cette note égale, il n'y a pas de simple code, concaténer avec le nom étude.getText.string, concaténer avec requête update. Donc, toujours avec help database point get a table point exec exclu. On met la requête exclu. Je suppose donc que la modification est faite. Affichons message. Afficher message modifié. D'accord. On aimerait mieux maintenant afficher pour voir à chaque fois la modification du QR. Pour afficher, on va faire simple pour une belle liste view. D'accord. Donc la liste view. Un tableau, d'accord, un tableau néon, d'accord, ok, et la requête sera select, on va mettre un SQL, parce qu'on a le code de recherche, mais sans where, on va copier le code de la recherche, voilà, donc c'est étoile from étudiant. نستقبل نقدر نخدم بالريكويري بيان كويري كورسور هنا خصنا نعملو ان طابلو avec des valeurs. Par exemple si je vais pour l'étudiant du roof واحد ligne donc on va mettre code étude.get text avec virgule ici, concaténer avec le nom et mon kind de simple adaptant de liste de lit et n'a rien de juste une liste de chaîne de caractères mon étude point get text point
point get text. Point to string. Il nous faut une collection globale. Il y a un jumeau fait à chier. On déclare un nom. Array list. Avec type string. Je vais péter. Pour l'instant, c'est ici ou bien dans la méthode on crée t égale new array list. D'accord, point virgule. Et les lignes, je vais mettre un jacket select, mais là, on a un européen. L'arrays.add, cette ligne, à chaque fois, on ajoute une ligne. D'accord. Et fermons le curseur. On close. Maintenant, passer list view utilisant un adapter. L'adapter lui aussi on peut le mettre global si vous voulez, mais on va mettre array adapter de type string ici adapt again new array adapter. Les paramètres. Donc le premier paramètre c'est le contexte. Le contexte on a l'activité. Donc par exemple l'activité parce qu'on a fausse l'événement en clic. Étudiant point 10 point get application context virgule virgule. Le deuxième c'est on va utiliser le fichier XML qui sera généré. Et là, on va utiliser une syntaxe qu'on voit terminalz.source.layout.simple.list.item. Ça, c'est un fichier XML simple. Fait juste TextView avec ID text. Oui, et là, on passe la collection T. Ensuite, set adapter adapt. Et comme ça on a effectué donc dans le supprimer se supprimer vous pouvez mettre par code de modifier là on va mettre delete delete étudiant where d'accord qu'est ce qui manque encore je pense c'est ok. Donc voyons voir, est-ce qu'on a des erreurs là? Non. Ah, 2 virgules. D'accord, donc je vous montre ce qui est bien démarré. On exécute maintenant.
Voilà. Donc ça c'est la première utilisation. Donc je peux mettre code 1. Un ajout, donc, ajouter. On devait avoir un bouton effacer. Bon. Okay. On va mettre 2. D'accord, on peut voir aussi après maintenant un bouton qui calcule la somme. Des requêtes select sum not affichée à avec le curseur ou le row query ou bien query.query. Donc maintenant on va afficher qu'est-ce qu'on a pour les données. Ça affiche avec une design n'est pas bon. Je vais tester recherche d'abord. Alors là, je cherche le numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? Cursor is not initialized correctly. Est-ce que c'est les colonnes? Je vais voir hein, si je mets la colonne 1 et 2, supposons qu'ils commencent par la case 0, je pense. C'est bon, je pense que c'est pas le problème. Donc là, j'ai déjà inséré les données, je m'en dis que inséré. Parce que la base RAM stockée, donc système Android. On va voir qu'il y a un King Well, mais on a un si je clique. Qui a atteint 3 ديال 4 je pense 4 ديال les lignes. On trouve le مشكل ديال le design هنا. On va pouvoir dire rapidement gdonna comment faire. C'est فاش درت الادابتر. ادابتر هنا هذا ندخل لهذا الكود ناخذ انا هذا l'exemple ديال ID. On va fabriquer mon ma ressource ici, je vais mettre maintenant un nouveau paille de ressources. Je vais l'appeler ligne de l'étudiant. Je vais le faire également le mettre. Ok. Maintenant, pas de constraint là ici. Bon, je vais le flou, mais je vais l'enlever. Donc, je vais aller vers. C'est vrai qu'on a une balise racine. Je vais enlever tout ça. On a justement texture. Et comme ça, je peux changer le design. Je vais aller vers text color et mettre un black ici. Text black et size aussi. Je vais à la place de faire android.r.layout, on va mettre juste r.layout.line étudiant. D'accord, et j'exécute.
je cherche par exemple 2. Voilà. Je cherche 2. Oh, attendez, Amy. Je cherche 1. Déjà un sérénade. Recherche, voilà. Je cherche 3. Par exemple, je veux modifier maintenant le 2. Chercher le 2. Amy va devenir maintenant Amy. Je fais modifier. Alors, maintenant, moi, je kiffe les. Problème modifié. Cherche le 2. Je modifie. Modifie. Alors j'ai une erreur. Laquelle? La ligne 74. Donc un des je crée confier requête update étudiant 7 nom égal apostrophe apostrophe 7 note égal where le code égal et quelle est l'erreur mir corb min 7 min 7 chez 7 update étudiant 7 nom construire, je vois rien. Il y a le update étudiant 7 noms amina, virgule 7 notes égale, where le code égale 2. C'est quoi ça non? Sauf. De quel 7 il parle? L'affichage, je vais modifier. On se l'affichage. Bouton affiché. Non, à la place d'utiliser les ondes de texte, quand il y a un stable curseur. Get string. La colonne 0 et ainsi de suite. Il y a les canards. Je vais me cacher l'affiché. La colonne 1 dit le nom. Média de la note. Fais un test ça. Il doit les 1-1. On se modifie un mouchkif la requête SQL. Mais le code voit, il est correct. J'affiche les. Voilà. Les résultats sont centrés. Quand je fais style, je n'ai pas rien, je pense. Saison de texte centré. Donc si je mets, j'ajoute le cinquième, maintenant je fais un test. Ajouter. Afficher. Bon, affichage qui tire des mains. Pourrait bien. Ouais. La liste. Mais bien. Affichage et affichage, vider la liste, tes points clear,
l'affichage, si on n'en a pas, rien. L'affichage, non. Est-ce que il y a des attaques comme ça. Pour le faire. Je pense avant. Avant. La première chose à faire, c'est que. Avant de l'utiliser. Affiche parce qu'il a affiché 2 fois, 3 fois, 4 fois et half dans les valeurs. Voilà. Deuxième affichage, ça marche. Maintenant, la modification, on va régler le problème de là. Je cherche le 2 et je mets ici maintenant, très vite, modifier, j'ai l'erreur. Le 2, je modifie, je clique sur modifier. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ligne 7. Code 1. On a l'architecture. Cet étudiant 7 non 1 et 1, 7 notes égale. Égale 17. Je vais faire un petit test s'il vous plaît. Et ce test je vais le faire direct, un update direct ici. Oui, j'ai trouvé l'erreur, ça fait 7 deux fois data, passage de data 2 fois, data 2, progrès 7, 7, c'est juste une seule fois, 7 le ou là, c'est suffisant, c'est-à-dire quel problème. Il y a eu d'exécuter. Au juge qui me demande juge chercher un modifier maintenant de l'Aliyat Mohamed ici modifier ayat modifier puis car de l'afficher ça fait ok donc je remercie.